Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose qui passe déjà relativement vite, mais je vous en parle juste après l'intro. Voilà. Nous voici dans cette vidéo de 1 mois d'hormones. Donc je vais pas m'étaler. Au niveau des effets des hormones, la poitrine pousse très très bien. Au niveau des émotions, c'est devenu un peu plus fort. Je sens la différence. Et par rapport aux formes de la silhouette, ça commence un petit peu à évoluer aussi. Donc voilà, je suis quand même contente des petits changements et tout ça qui sont en train de se faire. Et comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, j'étais déjà occupée de faire un tri dans mes vêtements pour me débarrasser et pouvoir remettre à jour ma garde-robe et tout ça pour pouvoir racheter des vêtements qui me plaisent derrière. Donc justement, s'occuper de se faire, les changements s'occuper de se faire. Donc voilà. Je vous préviens tout de suite, la vidéo sera pas très très longue. Même l'intro, je sais vraiment faire tout pour que ce soit vraiment très court. Parce que la vidéo précédente, l'intro était un peu plus longue, mais voilà. C'est pas le sujet de la vidéo, mais bon. Voilà, je m'étale beaucoup, mais c'est moi en même temps, mes vidéos sont pas construites comme les autres. Moi c'est tout naturel, voilà quoi. Donc voilà, déjà par rapport au mois d'hormones, déjà il y a déjà quand même pas mal de changements. En fait, les 1 mois d'hormones, ça a été le dimanche 9 mai, sachant qu'aujourd'hui on est le 17, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo et à laquelle je la posterai. Donc voilà, donc ça passe quand même super vite. Sachez que si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Et si vous avez réfléchi à un autre sujet de vidéo que je peux vous faire dans quelques semaines, il n'y a pas de souci. Vous mettez juste en commentaire, là, juste en bas, et puis voilà, quoi, il n'y a pas de souci, je répondrai ou je ferai ce que vous souhaitez que je fasse. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop difficile encore cette période encore. J'espère que vous arrivez à surmonter tout ça et voilà. Même si c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, j'aime bien quand même savoir comment vous allez. N'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire comment vous allez. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Enfin voilà quoi. Surtout mettez tout en commentaire, il n'y a pas de soucis quoi. Je vais pas vous juger, je suis mal placé pour juger les gens. Même j'ai jamais jugé les gens, de toute façon ça sert à quoi? Ça sert à rien. Jusqu'à à être con à juger tout ça, mais sinon voilà, ça sert strictement à rien de juger les gens. De toute façon ça n'avancera à rien du tout. Voilà, donc sachez que moi ça va, c'est pas trop compliqué, même si ma transition est quand même un petit peu rude quand même,
ça va quand même, j'ai encore le moral quand même. Je combats ça au quotidien comme tout autre combat, même si on peut pas comparer un combat et un autre, mais c'est quand même un combat. Donc voilà, donc sachez que c'est faisable, faut juste avoir le courage et avancer dans la vie. Et puis voilà, de toute façon, si vous souhaitez faire, si vous avez déjà un futur construit, ben voilà, c'est ce qui vous aidera à avancer et justement voir la suite quoi. Donc voilà, donc je sais, j'ai dit beaucoup donc, mais voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, c'est naturel quoi. C'est pas, je vais pas commencer à écrire sur un bout de papier ou voilà, dire ce que je vais dire ou tout n'est pas vraiment construit sur un bout de papier. Enfin voilà, mes vidéos sont vraiment le plus naturel possible. Donc voilà. J'allais en venir aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo make-up ou quoi que ce soit, parce que là, vous savez, je me maquille depuis trop longtemps. Bon, après, il y a juste un petit peu de la bello colorée, mais c'est tout. J'ai pas mis plus. Enfin, voilà. Même si j'aime bien me maquiller, franchement, j'aime super bien me maquiller. J'en apprends aussi, et puis, je découvre aussi. Enfin, voilà quoi. Donc si vous voulez que je fasse un tuto make-up, bah, n'hésitez pas, je vous ferai un petit tuto make-up dans les semaines à venir. Voilà, il suffit juste de me mettre en commentaire et je le ferai. Voilà, voilà ce qui est par rapport à ma transition quoi. Après je vous avais dit dans les vidéos, bien au début de ma chaîne, je vous avais dit que... je ferai épilation laser la chirurgie finale. Donc voilà, c'est les deux déjà les seules choses, enfin les choses qui me sont vraiment très importantes pour moi, c'est déjà ça. Voilà, après la suite je verrai après. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.